Bonjour, bande de psychopathes, ici Merlin Boss pour le 9e épisode de Don't Starve Shipwrecked. Dans l'épisode précédent, on a fait pas mal de choses, hein. On a découvert les buffalos aquatiques, donc les ox. Et on est aussi parti à la recherche de deux trésors. Et le dernier, je l'ai pas encore déterré, je vous ai laissé un peu en mode cliffhanger. Bref, du coup, continuons. Et non seulement j'ai pas déterré le trésor, mais en plus, on a vu que on allait passer en hiver du coup. Je savais pas si ça allait arriver dans Shipwrecked ou pas. Bon, apparemment si. Donc ouais. Winter is coming, hein, ça se voit. Ça va être chaud. Qu'est-ce que c'est que ça, umbrella? Où est-ce que j'ai chopé une umbrella moi déjà? Je sais plus. J'ai déjà oublié. C'est vrai qu'il venait d'être jour. Je voulais faire gaffe aux serpents, même si j'ai quand même pas mal de vie, hein. Et déterrons ce truc. Est-ce que j'ai une shovel déjà? J'en ai pas l'impression. Bon, ça, c'est pas une bonne idée. On va cook un peu de seaweed, du coup. Hein, profitons-en. On en a. Je sais pas trop si on va pouvoir en récupérer. Oula, le singe, c'est pas rassurant. Ah, on va bouffer tout ça. Comme ça, on va faire une petite place pour notre cheval et ensuite, bah, on verra ce qu'on prend ou pas, hein, dans ce nouveau trésor. Qu'est-ce que ça va être? On voit rien en plus. Bon, les os, on s'en fout un peu. Du coup, qu'est-ce que c'est? Des doubloons, du snake skin, on se trouve... Ah, ça peut être cool, ça. Bon, c'est con, je vais me refaire un garland. La blue gem, ça peut être bien aussi, hein. Le boomerang est plutôt génial, c'est une bonne arme. C'est même une très bonne arme. Qu'est-ce que c'est que ça, voodoo doll? Je me souviens plus trop de ce que j'ai dans le coin, hein. C'est clair. C'est quoi, je vais hack ce truc. Je sais pas si ça va, ouais bon, parfait. Je voulais juste me débarrasser de mon truc. Summerfest, je me souviens même pas de ça. Il y a plein de trucs dont je me souviens pas, c'est génial. je vais essayer jungle seed, quoique, je sais pas. Je ne sais pas, il y a trop de trucs à prendre, c'est n'importe quoi, j'ai pas trop de temps à perdre, faudrait que je revienne chez moi. Le bateau, je sais pas si, enfin, je sais qu'il restait plus trop d'utilisation. Ma barbe, c'est bien qu'elle soit plus grande, ça va me réchauffer un peu, ça c'est cool. Le piège, est-ce que je le veux? Ouais, bon, en tout cas c'est clair, je veux le gel et les gemmes. De quoi je pourrais me débarrasser? Le coral, froid. Pas trop quoi faire avec pour l'instant. Bon, je vais peut-être pas rester là 3000 ans non plus. Alors, boomerang, bon, fuck les jungle machin. Le chapeau. Je le prendrais bien aussi, mais je vois pas trop quoi en faire. Enfin, si, je vois pas trop quoi remplacer du coup. Putain, il y a plein de citrap. Ouais, ça peut être cool ça. Ouais, bon, je vais pas m'attarder plus longtemps ici. Fuck le chapeau. Est-ce que j'ai envie d'explorer un peu cette île? Bon, elle a déjà été... Ah oui, c'est vrai que c'est une des premières îles sur lesquelles on est allé. J'ai oublié de check si... J'étais passé à côté du trésor sans le voir. Ça aurait été assez abusé. Enfin, bref. Bon, du coup, allez. Dépêchons-nous. Ouais, notre bateau est bientôt mort. Ah mince, j'ai pas éteint ma lanterne. C'est con, ça. C'est légèrement con. J'avais pas fait gaffe. J'étais pas sur le bateau. Non, bref. Ah tiens, ouais. Ça peut être pas mal ça aussi. Alors, c'est quoi ce délire? La plage, bon. Ouais, effectivement, c'est notre bateau qui se disloque carrément. Je vais devoir récupérer ça du coup. Bon. Allez, on en est où? On y est presque. Notre île est juste là. Ok, bon. Ok, 32%, je devrais récupérer un peu de jungle seed, je sais pas trop comment vont être mes plantations. Oula, attention aux vagues, c'est pas le moment de se prendre des vagues, hein. Ce serait con de crever à cause de ça. Wow, doucement, restons concentrés pour ça, par contre c'est crucial. Je sais pas si une vague nous tuerait, mais plusieurs c'est évident. C'est pas le moment de lire les messages non plus. Ok, on se rapproche. Ok, ça va. Et on est presque arrivé.
On y est presque, on y est presque. Et notre base est juste là. Donc on va déposer notre bateau ici. Je vais choper la lanterne parce que j'ai pas confiance. Souris qui bug. Non. Voilà, bon, ce bateau, ça m'étonnerait qu'il reste en vie. On peut le réparer normalement, mais bon. Bref, nous sommes enfin arrivés à la maison. Ça fait du bien. Est-ce qu'on a des places dans les coffres? Qu'est-ce que... Bon, Summerfest, j'en ai pas vraiment besoin, je pense. Une veste d'été, c'est pas vraiment adapté, disons. Voodoo Doll, je sais pas quoi en faire. Botte lanterne, Citrap, Umbrella. Bon, j'ai pas vraiment besoin des gemmes tout de suite. Est-ce qu'il me reste d'autres bouteilles? Pas vraiment. Ah bah tiens, j'ai plein de jungle seed ici, donc bon, j'ai bien fait. Ah bah tiens, j'avais un autre blue gem, je savais même pas. Ah, et j'ai une bouteille. Ah bah décidément, j'ai pas très bien géré mon inventaire. Donc du coup, j'ai pas mal... J'ai encore une place de plus. Qu'est-ce que je voudrais déposer? Umbrella. Bon, je pense pas que ce soit très utile en hiver, mais... Pour la neige, peut-être? Faut voir. Mais pour l'instant, ouais, bon, je vais pas utiliser le bateau tout de suite. Donc on va mettre la botte lanterne ici. Et maintenant, je vais m'assurer de pas mourir comme... Enfin bref, de ne pas mourir d'une façon débile. Est-ce que j'ai assez de bois? Ouais. Ok, non. Je vais allumer direct le feu, on sait jamais. Bon, ah bah tiens, j'ai des seeds, c'est cool ça. Je vais prendre tout de suite. Est-ce que... Ouais, je devrais avoir assez de poupe pour faire une ferme, mais maintenant, je pense pas que ce soit... très efficace en hiver. Hein. Bon. Bon, sinon, qu'est-ce qu'il va me falloir? Il va me falloir une sorte de pierre pour me réchauffer. Je sais plus comment ça s'appelle, ces conneries. Il va falloir que je fasse ça. Science machine, aide-moi. C'est pas food, c'est pas possible. Qu'est-ce que ça pourrait être? Je pense pas que ce soit dans science. Ice maker, what? Bon. Oh, qu'est-ce que je fais? Structure, refine, je dirais survival. C'est ce qui me paraît le plus logique. Nope. Ah, Thermal Stone, c'est là, il faut du papyrus. Il me semble que j'en ai un. Oulala, il y a du vent en hiver, c'est pas bon ça. Ça défonce notre feu. Ok, c'est pas cool du tout. Je sais que j'avais du papyrus dans le coin. Est-ce que je l'ai gardé ou bien est-ce que je l'ai laissé dans un coffre? Ce qui est bien possible aussi. Ce serait assez dégueulasse. J'ai un swamp ici. C'est dangereux, mais ouais, je pense que, bah, falloir qu'on y aille, hein. Wow. Ah ouais, c'est abusé, ce vent, disons. Oula, je vais pas voir cette bois. Bon, ça va, j'ai des twigs au pire, mais... Eh, c'est flippant quand même, hein, l'hiver, j'ai l'impression, donc bon. Le vent, c'est quelque chose qu'il va falloir prendre en compte. Coconut... Je vais aller récupérer mes baies, si elles sont encore là, j'espère qu'elles se barrent pas aussi à cause du vent, ce serait vraiment con. Non. Et du coup, à part ça, bon, pour l'instant, je fais attention, mais waouh, putain, décidément, ça bouffe masse de bois, ces conneries. Ah, tiens, je vais en profiter pour cook mes carottes. C'est pas des carottes, c'est des pommes de terre, c'est pas la même chose. Hop, en bouffer une... Et c'est le jour, bon il y a du vent mais je m'en fous. Wow. Donc c'était un loup-garou pendant 2 secondes, ça m'a fait flipper. Bon. Allez, allons ramasser nos baies. En espérant qu'elles soient encore là. Nice. Ce serait vraiment dégueu qu'elles se barrent à cause du vent quoi. Je vais prendre tout ça. Je sais pas si elles vont grandir à nouveau en hiver. Pour l'instant je pense que ça gèle pas suffisamment mais... Non, t'as bouffé mon seed, du bambou. Peut être intéressant. Elles sont où les autres? Elles sont là, attends, il y a vraiment plein de bouffe, c'est génial. C'est toujours pas un niveau 3, tant mieux. Bon, j'ai l'impression en plus, quand ça sera un niveau 3, ça va prendre encore plus... Blah. Ça va prendre encore plus de place, ce qui n'est pas vraiment cool. Eh, ce vent, il est violent quand même. Violent. Bon.
On récupère de la bouffe, ça fait du bien. Ça va surtout nous servir. Hein. Les patates, je vais sans doute les manger. Hein. Bon, pas trop l'intérêt de faire autre chose avec. Et il y a vraiment masse de bouffe sur cette île. C'est plutôt génial. Et n'empêche, ouais, faut qu'on récupère absolument du bois. Faut pas déconner avec ça. Avec ce vent, ça risque très vite de devenir dangereux. Faut qu'on chope le papyrus. Donc il faut qu'on trouve les autres machins. J'ai déjà oublié leur nom. Bref, pour ça, faut aller dans un environnement hostile. Donc je vais sûrement mettre mon armure. Faut pas déconner. La dernière fois, je me suis fait à peine frôler. Enfin, ouais, frôler par un ennemi. Sans armure et j'ai failli crever quoi. Bon, c'est pas une bonne idée. Du coup, ouais, je vais mettre ça tout de suite. Est-ce que j'ai besoin de quelque chose? Ouais, j'espère que mon backpack va pas s'envoler. Par contre, ce serait vraiment con. Bon. Alors. De quoi j'ai besoin? D'armes. Et de ça, ok. Bon, normalement, il n'y a pas de monstre juste à côté. Je sais plus exactement combien j'en ai besoin. C'est quoi ce bruit? Oh, c'est ça, d'accord. J'ai eu peur pendant une seconde, j'étais ici, c'est que ça. J'espère qu'il n'y en a pas planqué ici, ce serait assez dégueulasse. J'en ai déjà deux, à mon avis, ça devrait suffire. On peut peut-être essayer d'en prendre, ouais, non, pas celui-là. Ah, je pense que ça ira, pour l'instant. Wow, il y a des bruits étranges, et j'espère qu'il va pas y avoir de tsunami ou de d'ouragan, je sais pas. C'est possible, je pense. Enfin, j'en sais rien, en fait. J'en ai entendu vaguement parler. Oh bah, t'as déjà regrandi toi. Mais ces sons ne sont absolument pas rassurants, c'est clair. Faudrait peut-être que je fasse une lightning rod, hein, avec le nombre de gold nuggets que j'ai, c'est pas forcément un souci. Bref, profitons du jour pour faire le plus de trucs possible. Déjà, qu'est-ce que je voulais? Survival. Il faut mon papyrus. Pour le papyrus, il faut du refine. Ah, il commence à pleuvoir. Je vais prendre mon parapluie. Donc ouais, refine. Papyrus, il m'en fallait 5. Ah ouais, enfin non, il en fallait 4. J'en avais combien? Bah, je peux même pas en faire un autre. Dégueulasse. Bon. Ok, il flotte. On n'a pas coupé de bois. C'est assez crucial, il faut qu'on le fasse. Si on veut survivre, on a besoin de bois. Faut que je replante des arbres aussi à un moment, mais bon. Qu'est-ce qui vient de tomber là? Il y a un truc qui vient de tomber du ciel. Putain, c'est n'importe quoi fou là. Mais j'en veux pas de ça. Mais qu'est-ce que t'assois? Ah, tout de suite, la nuit c'est un peu moins rassurant. Hein. Non. Est-ce que ça va? Pour l'instant, je suis pas particulièrement humide. Non mais. Voilà, on va les replanter tout de suite. Oula, bah qu'est-ce que tu fais là, toi? Depuis quand vous sortez à cette heure-là? Non. Ouais, c'est pas avec 4 de bois que je vais survivre à ce vent-là. Hein. De la glace, what? Ah ouais, c'est du givre, carrément. Ok, d'accord, ça... Je me disais bien que j'avais vu un truc tomber, autre que de l'eau. D'accord, donc c'est de la grêle, un truc comme ça. Mais on est en hiver, c'est quoi ce délire? Je comprends pas grand-chose. Waouh. Ah ouais, le vent, il devient légèrement hardcore, là. Légèrement. Bon, je vais vite me dépêcher de rentrer à la maison. Non, je vais couper cet arbre aussi. C'est marrant, ces morceaux de glace. Oh, sérieux. Pas le moment. Pas le moment. Allez, ça nous suffira. Hein. Ça nous suffira. Dépêche. Je sais pas s'il me reste de la place. J'ai pas de place. J'en fais quoi? Ah. Pas le moment de perdre du temps là. Putain, j'ai trop de trucs. Panique. Ça va. Retrouvons notre calme. Putain, on a 30 berries. C'est plutôt cool ça. Bon, j'ai bouffé ça. C'est un empoisonné, tant pis. Bon, du coup, notre bois, il est où? Il est là. On va tout de suite allumer notre... C'est pas une bonne idée d'allumer le feu tout de suite, ça sert à rien, quoi. Ah! Bon, maintenant. Non, je vais utiliser un max, du coup.
Alors, on en était où? On veut créer notre... Passage machine, l'alchimie engine. Ouais, j'espère que je vais pas me faire foudroyer par contre. Alors, cut stone, est-ce que j'ai assez de pierres? Je sais même pas, j'en ai pas des masses hein, des pierres. J'en ai pas des masses. Ça foudroie bien là, il y a de la grêle de partout. Je vais ramasser parce que, ouais. C'est vrai que c'était assez galère parfois de trouver de la glace. C'est sympa. Bon, je pense pas que ça me soit vraiment utile. À moins que j'ai un frigo et je suis pas prêt d'en avoir un hein, à mon avis. Et pour ça j'ai besoin de gears et j'en ai absolument pas vu pour l'instant. Bref, ouais, je pense que cet épisode je vais le faire en 3 jours parce que ouais, j'ai pas uploadé d'épisode hier, navré, je pouvais pas. Enfin, j'avais juste pas le temps en fait. Du coup voilà, bref, il me faut des doudades, putain c'est flippant. Ah ouais, c'est vrai que je peux faire de l'or aussi grâce à ça, bref. On verra ça plus tard. Les doudades, j'ai encore... Waouh, c'est quoi ce bordel? On voit plus rien. J'ai vraiment besoin de masse de bois. Bon, je vais arriver quand même. Les doudades, elles sont où? Je les vois pas. Ah bah c'est là, ok, ouais, faut que la cote soit, forcément. C'est vraiment flippant, c'est... Waouh, non. Ok, c'est dégueulasse. Saloperie. Bon, c'est pas cool. Du tout. Il y a tous mes trucs qui se barrent. Non! Revenez! C'est dégueulasse! Il y a tous mes items qui se barrent, sérieusement, quoi. Non, mais non! Revenez! Wow! Suffit, là? Ok, ça va vraiment être un plouci là. C'était pas prévu. J'ai besoin de tout ça. Non mais non, pas dans l'eau. Pas dans l'eau. Il faut absolument, voilà, faut absolument que je refasse un coffre tout de suite. Putain, c'est le bordel total. Allez, shovel. File-moi le dernier truc de bois. Vite. Qu'est-ce qui crame? Oh! Ah! Carrément! Mais non, mais ce stop! Tout qui crame! C'est le bordel! Non, mais non, quoi! C'est dégueulasse, non. Bon, rien de très intéressant, mais... J'aurais dû faire une lighting rock, mais je... Bon, j'ai pas eu le temps. Non mais... Ah non. Sérieusement, les mecs. Sérieusement, c'est... Ah, mais laisse-moi tranquille. Aïe aïe aïe, même mon feu a disparu. Attends, en fait ça a touché une bombe qui a explosé je crois, ou un truc. C'est le bordel, bref. Aïe aïe aïe, j'ai pas de bois, il me faut du bois. Il y avait du bois par terre. C'est n'importe quoi, bon. Ok, bon, ça se passe pas exactement comme prévu. Hein? Non mais ça suffit, bordel, arrêtez de cramer mes arbres. Il y a autant d'éclairs en hiver, c'est n'importe quoi. Vous avez craqué. Vous êtes fou. Et casse-toi avec ça. Bon, faut que je récupère masse de bois du coup. Avant qu'il soit trop tard. Oh mais non, mais... Mec. Ça arrête. C'est complètement délirant hein. Bon. Eh hey, mais... Problème de foudre là, je pense. Léger problème de foudre, les mecs. Léger. Non, mais sérieux. Bon, à retenir, en hiver, il y a de la foudre. Ok. Bon. Il y en a partout, surtout.
Alors, bon, on est mouillé, faudrait que je mette mon parapluie. Waouh, c'est quoi ce parapluie de fou? Le parapluie de malade, c'est un double parapluie, j'aurais dû le mettre plus tôt, bref. Bon, je referme ma science machine, mais... J'aimerais bien avoir ma... Mon truc d'abord, ma lightning rod. Il faut quoi, de la cut stone? J'étais sur le point d'en faire et je peux pas en faire parce que j'ai besoin d'une science machine. Ok, t'as pas intérêt à me cramer ma science machine, sérieux. Pourquoi je peux pas en faire une? C'est quoi ce délire? What? Bah, pourquoi je peux pas faire de science machine? Il est fou lui. Bah merci. Ok, bon. Je vais vite me dépêcher de faire la cut stone et la lightning rod. Je m'en fous du reste. Allez, 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 allez. Yedada. C'est où? C'est où? Je bug. Lightning rod. Il va faire nuit, j'ai plus de trucs. Ok. Je refais, j'ai plus de pierre pour un feu de camp, sérieux. Il n'y avait pas une pierre à côté de moi. Elle a dû exploser aussi, génial. Ouais, ok. C'est pas cool. Non mais je peux pas refaire un feu de merde, c'est pas possible. Allez, courage, on peut y arriver. Je m'en fous de ces trucs. Non, c'est légèrement chaotique, mais on y arrive. Ah là là, là ouais, fallait une lightning rod. Bah, merci. Je pouvais pas savoir ça à l'avance. Bref, feu, 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 dépêchons-nous. Dépêchons-nous, assurons-nous de pouvoir le construire aussi. Très bien. Bon. C'est le bordel, il est où mon parapluie? Ah, il est sur ma tête, d'accord. Ah, c'est intéressant, comme... je savais pas qu'on pouvait faire ça comme ça. Oh, c'est cool, ça. Ça m'évite d'être... il est bien utilisé, n'empêche, mais au moins... On va se réchauffer un peu. Qu'est-ce qu'elle fout, là, ma shovel? Ouais, slippery, forcément. On va bouffer un peu, parce qu'on est légèrement sur le point de crever. Ouais. Notre feu est aussi vraiment dans la merde. Ouais. Ça va pas être évident, hein. Ça va pas être évident. Non, au moins on risque plus de perdre nos coffres. Non mais sérieux quoi. Le bordel. Le bordel. Non, allez, on va se soigner un peu et... bouffer. Voilà. Non, c'est mieux. On a plus tous les trucs humides. C'est cool ça. C'est cool, c'est cool. Je sais pas trop ce que je peux faire maintenant. Non, je vais récupérer mon lock suit. Mais coffre aussi, enfin ce qu'il en reste surtout. Aïe aïe aïe. Quel délire. Bon, je m'en fous de ça. Ah, j'en ai qu'un seul, sérieux. Bon. Ouais. Bon, qu'est-ce que je voulais faire sinon? On va profiter de la nuit pour faire ce que je voulais quand même, à la base, hein. A la base, je voulais faire des electrical doodads, mais je pense que j'ai plus assez de bois pour ça. Ah non, c'est de la pierre qu'il me faut. Ah, moi je peux en faire une. Parfait, parfait. Toi, tu dégages. Electrical doodad. Avec toi. Est-ce que je peux faire ma... Ah non, il m'en faut deux. Ah ouais, d'accord, vous êtes sérieux là. Il m'en faut carrément deux. Bon, c'est réglé. Au moins, le vent s'est calmé, ça c'est cool. J'espère qu'on va pouvoir récupérer nos trucs. Bon, à retenir, ne pas mettre des bombes dans un coffre qui peut potentiellement se faire foudroyer. C'est pas une bonne idée, voilà. Aïe, aïe, aïe. Bon. Ouais. Ouais, ouais, ouais. C'était hardcore. Heureusement qu'on a trouvé cette umbrella, elle nous sert bien. Bon, je pense que je vais bouffer l'œuf.
Ça me bouffe de la place pour rien. Bon, et sur ce, on va s'arrêter là pour cet épisode. C'était intense, hein, c'était chaud. Bon, on va voir ce qui se passe par la suite. En tout cas, c'était Merlin Boss pour le 9e épisode de Don't Starve Shipwrecked. Et on se retrouve dans le prochain épisode. À la prochaine, tout le monde. Mouah.